Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Donc de retour sur ma chaîne en présence d'Hannibal pour du Evil West. Suite à la vidéo précédente où nous avons arrêté, nous avons affronté une grosse araignée. Ça vous tire à bonne mémoire. Et nous avons réussi à passer un casse-tête que certains youtubeurs ont abandonné l'affaire, hein, qui était un peu énigme à Tomb Raider, juste pour aller chercher un coffre pour récupérer du fric. Donc dites-nous dans les commentaires si vous avez d'autres Non, un affaire. youtubeurs qui ont réussi à pas qui ont pris du temps dessus pour essayer de le passer. Soit Et sur moi, moi t'es ou sûr, sur on la va faire chaîne toutes les 10 d'Hannibal. minutes. 10 minutes pour le faire, je crois. Mais pourtant, c'était une énigme toute simple. Hein. Il faut mettre les petites caisses là dans les coins. Puis je vais qu'avec. Ensuite, Ah, juste à chaud. cinématique. Bon, c'était. Oh. You backstabbing witch! You ratted us out! Dr. Blackwell, I know we've had our differences, but this. For your information, I had nothing to do with Mr. Harrow's sudden appearance on our doorstep. But thank you for confirming how little faith you have in me. Now, I don't presume to know how things work for you, gentlemen. But I can assure you that Calico wasn't built on broken words and betrayed confidences. Women in my position don't have that privilege. Now, I assume you have the plant? We do. Good. And there are clean syringes and alcohol swabs in the lab. 5 minutes is all we need. Allez, sur ce, avance directement à la mission, là, on pourra la tout fouiller. Oh bah oui. Oh ta gueule, t'as le téléphone, bon, tu te mets en route. T'as juste un peu récupéré de fric. Ouais. Ça fait plaisir. Youhou! T'as encore ici là, à force. Ouais, tout se passe ici. On ouvre la grosse thune. Le gros tonneau à pinard. Ouais. Mais malheureusement, il n'y a pas d'alcool. Ouais. Je m'étends. Ah, faut trop tôt, c'est pété. Ah, faut descendre. Dégage! Faut descendre! Ne débloque pas! Fumier. Les chargeuses électriques. Réveille-le pas, Boudy. How are you feeling? That someone's squeezing my brain. There's some thoughts in here that aren't mine. Oh, I see her, Jesse. Oh, no! You must stop her before. Wait, wait. I see a sign. Dickinson. She's in Dickinson. T'as une zette de vieux. Ah, ma gamine. That was her. They're linked. I need to get to Dickinson. Tough old bastard, he's turning it around on her. It's gonna be a hard sell to Harrow. Gotta try. You keep an eye on him. Keep your hands off that switch. Allez, on va pouvoir enfin buter cette salope. Sir, Mr. Harrow is waiting in the briefing room. He's... Pour monter à l'étage. Merde. Ah merde. Comment tu fais? Ah voilà, tu es juste pour changer. God damn it. Like I don't have enough going on already. Where is he anyway? Elle s'est mal.
Assistant Secretary Harrow. Santé. Agent Rentier. And Dr. Blackwell brought me up to speed on your father. Sir, we... I know. It couldn't have been easy. His shadow will loom large over us all. Please accept my condolences on behalf of a grieving nation. Try not to wallow in grief. It only leads to blunder. And this country desperately needs success. Aside from the news of your father's tragic demise, I've also briefed the Assistant Secretary on the successful destruction of Felicity's leech factory in McCallum Sawmill. That and a penny will buy me a cup of warm piss, Doctor. No one is safe while that crazy she-beast and her army of freaks are on the loose. And do you have any idea where she is? No. Actually, I do, sir. We have intel that she's currently in Dickinson. What intel? Can't say, but it's 100% solid. Great. You can head for Dickinson after you get back from Kingston. Kingston? There's a case containing some very sensitive information there that I need picked up. But sir, the Dickinson lead. There's at least three interstate railroads there. It might be a part of Felicity's transport. Very well. You there. What's your name? Olney? Virgil Olney? Do you know your way to Kingston, Olney Virgil? With all due respect, Mr. Assistant Secretary, Virgil is our top engineer. He is not fit for field action. I don't give a watery shit about his curriculum fucking vitae, Doctor. I'm funding this circus of yours, and I want those papers back now. I'll get them for you. What do I need to know? Ça y est, c'est magique à la fin passée. Là où le pétrole a un coup de sang. Le nom de la munition. Moi je connais déjà le titre de... que je mettrai sur ma vidéo. Buvez de l'eau, c'est bon pour la santé. Y'a rien à faire, ça l'a conservé. Ouais, mais moi je vais te mentir, elle est assez fraîche comme ça. Oh oui. En attente d'un autre joueur. Bah, en attendant, je cherche moi. Je kiffe. C'est tellement. We recently got our hands on a partial list of companies tied to the Andalusia Financial Services Group, like McCallum's Mill and the Kingston Oil Fields. Debano. Debano indeed. He and his maniacal brat are up to their assholes in any acquisition, and the government intends to seize their not insubstantial portfolio. Sounds like you need a lawyer, not a vampire hunter. Tried that already. I even sent in the blasted National Guard to secure the papers. But the place was guarded. That's where you come in. So what exactly am I looking for? Based on the final telegram from my forensic accountant, Andalusia's portfolio of holdings is stashed in a briefcase, presumably still at the Kingston oil fields bureau on the far side of the lake. I still don't get why it's more urgent than looking for Felicity and Dickinson. On the wars cost money, Rentier. And unless you've forgotten the incident at your former headquarters, we are at war. This could very well turn the tides in our favor. Allez. C'est parti. Oh bah niveau 8. You alright, folks? I need to find the office. You crazy? The whole area's been totally overrun. Ben Dieu, y'a plein de trucs qui viennent de se débloquer à l'écran, t'as eu? Ouais, j'ai vu un monstre. On nous sommes là pour ça. Pour le pétrole. Alors. Allez. Ah. Let's get this over with. J'arrive. Youhou! À tyrolienne! Les cowboys sont dans la place! Ah! J'avais loupé quelque chose, moi, non? Totalement. Oh, à mon avis, ça sera une zone de fight, ça.
Allez, on y va, rien à p... ah, rien à secouer. Même pas. Oh, c'est nul. Même pas, je suis déçu. Dans le pétrole. Alors, à un avis, il y a un truc à faire. Ouais, là et là. Dans tous les cas, faut être autant on descend, autant on saute. Ah, un petit coffre. Du fric. Ouh, le pétard fratab, yops. À moi. Le de la moula. Voilà, une nouvelle de arme à moi. En attente de votre partenaire. Comment ça urge de pétrole ceci? Ah, y'a un petit TNT là. Laisse la pète. Merde, déjà comment qu'on frappe? Merde. Oh god! Oh! Oh marié! J'étais pas prêt! Je suis un peu emmêlé les pinceaux dans les touches. Ouais, encore des. Y'a encore des Spider-Man. Ouais. Youhou! Wow! T'as pas de travaux, qu'est-ce que t'as fait? Essaye de donner la. Aïe! Essaye de donner la Spider-Man près des barils! De C4! Oh, il m'a tissé dans sa toile! Vas-y, tire! Non, mais je veux le lance-flamme, moi! Voilà! Ça brûle bien une araignée! Aïe! Putain, je suis à peine régène, les machines sautent dessus. Oh la merde! Je suis encore à terre. C'est quoi ce game? En plus, t'as une sale gueule, toi, le machin tout près de moi. Bah, c'est près de toi. Attention, ça arrive. Aïe! Putain, mais merde, elle m'a verrouillé! Ah merde! Bon, essaye de se fighter, moi j'essaye de ne régénérer ma santé si je peux. Voilà, merci. Ça, c'est pour Bibi. Ah, la vache! Alors. Adieu Spider-Man. Là, j'étais à terre comme un con. J'ai pas fait gaffe à... Là j'ai mal joué la game hein. Deux fois que tu me sauves le cul. Regarde-moi tout
cette araignée d'or. Ouais. On avance. Au moins elles sont mortes, bien. Ça sent pas bon, c'est une bonne fête en face. Oh, ça sent les ennuis, ça. Oh, ça. Ah, c'est calme. Moi j'aime bien quand c'est calme. Je disais bien qu'on avait loupé un petit truc. Ça dégouline de pétrole, hein. Non, ça, ça crame. Et là, c'est du fight. C'est... Oh bah oui. Une zone de fight. Oh non, bah, c'est trop tard. Oh god. T'as pas trop tard, fais ta pète. Mais du bol. Oh mais... Ça l'a pris. Aïe. Ça prend vie. Je cours, je cours, je cours. Je secours. La zone est trop petite. Ouais. Je secours. Ah. Bah, je suis dead. Pas dû me retourner. Ah, c'est une zone de boucherie. Là. Ah ouais. Bah, faut s'occuper des sbires avant de se taper la grosse. Hmm. Et ça peut être partout. Ah! Je crois qu'ils sont protégés, les cons. Ouais, putain, mais attends, c'est impossible. J'envoie ma meilleure attaque et je suis déjà mort. C'est la grosse qui les protège, là. Ouais, c'est bien. Putain! Fais chier, bordel de merde! Eh, faut pas que tu restes. Bah, je veux bien rester pas statique! Apparemment, le perso il bouge pas, il reste qu'il bloque. Quoi? Genre, c'est pas de chasse à la tête! Abusé! Ils sont tous protégés. Il est au pire, là. Putain, mais t'as même l'attaque ultime, ça les emmène. Ça leur fait rien, putain. Dès que tu le chopes, l'autre pétasse, elle, te le fout, elle lui faut un bouclier. Oh, attention, ça arrive. Merde. Genre, allez, j'arrive pas à te soigner. Je crois qu'il y a peut-être il y a peut-être un temps de soignage. Il y a un délit. Bon, les casse-couilles, cette putain de guêpe là. En plus, ce qui est chiant, c'est que tu peux pas te la fighter comme tu veux. Non, attends, par contre, quand tu les fais à toi, c'est. Bon. C'est vrai que les zones de fight elles sont bien, mais elles sont chiantes parce que tu peux pas te barrer. Non, par contre, ils sont occupés, tu peux les faire. Ils sont occupés, tu peux les faire.
Le feu. Le feu, ça marchait bien. Il y a une personne à lui parler. Thank you, stranger. They thought we were goners. Is there some way we can repay you? Yeah, you can point me towards the oil company office. Oh, it's on the other side of the lake. Oh, you're gonna have to drain it to get over there. Release all counterweights and you'll open the sluice gates. Ah, faut en mettre le courant. Let's drain this sucker. Salut les gars, vous êtes libres. I hope you make it, sir. You sure it's safe for us to leave now? More money. T'as, moi j'en ai trouvé un, mais moi je peux même pas, moi je peux même pas l'activer le pire. On va essayer maintenant. Ah, moi je peux rien faire ici. Ouais, peut-être parce qu'il faut que je sois là. Ah, attends. Je crois avoir pigé le truc. Reste là. Je crois que ça, ça marche avec le truc qui est suspendu là. Ouais, si, c'est ça. Bon, ça se déglingue ça. De rien. C'est pas faux. Il reste encore un truc à faire. Ok, faut monter en fait. Ce qu'il est par là, mais on y va comment? Non, ça, en tirant dessus, ça sert à rien. Bon, il doit y avoir un autre chemin. Ah, ils aiment ça. Par ici, c'est mort. Y'a un truc. Non, mais apparemment, il faut activer le truc. Hein. Ah, attends. Ouais, bon, je vois pas. Je vais réfléchir à un truc. Ça, tu l'as activé ou pas, ça, Hannibal? Non, allez, j'ai pas pu l'activer. Ah, bon, ça marche comment ça? Ah, trouver une source d'alimentation, super. Pourtant, ouais, mais ah, pour ok. Ah oui, j'ai ok, j'ai pigé. Ouais, mais c'est pas ça, je viens de le faire. Ouais, faut le refaire. Non, ouais, faut courir. Pourquoi vous courez? Parce que c'est un truc avec le temps. Ah, d'accord, ouais. Ah, je vois. Voilà. Quand j'ai vu que j'avais l'électricité qui se rend... une barre électrique qui se remplissait, je me suis dit oh, pas bon signe ça. Puis tu cours pendant. Ah, j'y suis. Bon, on a vidé déjà le pétrole. Ouais, dommage que c'est du gâchis. C'est du gâchis de vider tout ce pétrole là. Hein. Bah, c'est pour dire, on commence à être trop loin de nous. Hein. Ouais.
transporter au prix du litre. Bon, ça sent sont... pas en débat notre perso. Ça sent des loups-garous. Il y a un bâtard qui a fait. Oh la merde. Wouhou. Par contre, je vais jamais trouver le mode comme ça. C'est bon frérot ? Ouais ça va. Nickel. Tu les as éclaté leur mère ? Oh elles sont belles elles. Allez, un point d'atout en plus. Alors dans quoi je pourrais je te mettre. Oh les rangs là. Et après là les revolvers on s'en tape. Avec moi aussi, j'ai trouvé un truc par là. Ah, j'arrive. Dans tes gars, où Renew ou point de dégâts. Il y a un truc là aussi. Ah, non. D'accord. D'ailleurs, je peux plus. Parce qu'on était en fight. J'étais en train de regarder pareil ce que je voulais prendre comme atout, comme machin. Alors je sais même pas ce que c'est le level max. Je crois que c'est 14 un truc déjà. Ah, petit gars ici. Attends, il est en console. J'ai vu. Bon allez. Ah non même pas, je crois que tu peux voler ici mais non. Non. Bon, let's go. Bon on va aller dire bonjour au loup-garou. Ouais. Regarde, il nous appelle. Il hurle, c'est la pleine lune. Aouh. Allez, venez les loups, on vous attend. Alors, en plus, on peut être tout seul. Ah ouais, il y a des loups plus des grosses araignées. Ah ok, pas besoin de venir sur moi que la grosse araignée, tu veux. Ah, elle m'a bouffé. Ah la pute. Ah y'en a deux. Ah y'en a deux. De toute façon on a plus buté les deux là. Bah oui. Et moi je régène ma santé. Brille, petite pute. Ah ouais, les deux t'as où toi hein. Ah ouais je sais qu'ils ne veulent moi. C'est je crois qu'elles aiment le jaune. Alors, attends. Ah, une chacun. Ah t'as vu le truc qu'elle a sur le dos. Ouais c'est ça bon. Ah elle m'a... Putain elle m'a produit un œuf. Elle t'a produit un œuf. Mais putain régène. Alors mais si on verra c'est qui le mec qui tue son slayer pour lui. Moi j'ai pris celle-ci qui a plus de vie. Moi il faut déjà que je me régène parce que je suis un peu emmerdé. Putain mais c'est quoi pour tirer? Bah, ah mais putain je suis Keblo.
Ah bah tu sais lancer à toi là, à chaque fois je peux pas me barrer. Ah putain, y'a des loups-garous maintenant. Allez le putain de machin de santé là. Putain, ça régène pas, ça c'est nul. Quel jeu de merde. Eh, venir là, fais sa pute. Eh, c'est trop mort, Lenny. Eh, c'est moi ton ennemi, tu vas où fils de pute, reviens. Je vais pas le faire. Eh, si je te dis que je peux plus tirer avec la manette. Qui a voulu faire avec son arme. Là mais je ne peux plus faire quelque chose avec la manette. J'ai que le lance-flamme. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce jeu buggy? Ah ça y est, les balles sont revenues. Oh t'as du spaff. Voilà, point d'atout, niveau 9. Ah moi aussi. 2000 de gold. Ouf. Wow, tous les trucs débloqués là d'un coup. Ça fait plaisir. Ouais, oh. J'étais pas prêt sur ce coup l'homme. Alors qu'est-ce qu'il y a de bien intéressant? Oh, ça peut être sympa ça. Je prends ça. Là, c'est niveau 16, il y en a. Allez. Du coup, un point de compétence, mais on a trois trucs. Alors, transmission sans fil. Tout public. Mettre un fondateur pour... Temps et cela. Inflammation. Sur la... Oh, je suis le niveau 14, il a l'air d'être stylé pour la vie. Ah non, c'est niveau 16, visiblement. Ouais, mais t'as un truc niveau 14 là, que je suis en train de garder pour la vie, là. T'arrives à atteindre ça, tu prends un coup par les trucs et les trucs qui crèvent. Parce que je viens de voir la vidéo. Ah, le thérapie. Ou, le... ou l'autre. Le dernier dans la vie. Ah ok, ouais. Ou okay. Trompe la mort. Trompe la mort. Ouais. Ah bah, t'as encore 5 levels de retour, frérot. Ah bah oui. Ça, ça me plaît bien. Oh putain. Oh y'a un truc encore pire qu'un truc. Mon pote est déjà parti faire mumuse, moi j'ai pris 3 plombes, comme d'hab. Oui, en même temps t'es bronzé, ça change pas. Alors y'a un truc avec les montations à faire. Putain, je chope le machin, j'enclenche la cinématique à côté. Trop la classe. You need to use that crane to move those crates. Ah d'accord. Ok, il va falloir lui monter un truc. Oui, bah il va encore falloir chercher un truc qui va falloir qu'on court hyper vite. Attends, bouge pas parce qu'il y a un raccourci avant. Ouais, je l'ai vu. Oh putain, il faut être à deux pour prendre. Venir là, t'es la pète. Venir là, whisky, faut dire. On s'en fout, il faut pas tirer dessus. Ah, on peut pas le tirer de là, faut le tirer de l'autre côté. Enculé, va, je sais pas, c'est toi qui. Je t'ai monté dessus. Bah, t'inquiète, je vais pas chercher le machin. Ah,
arrivé là, ce truc est démonté. Okay. Ah, je sais, mais c'est pas ce que je cherche. Ouais, mais moi je cherche le truc à péter. Allez. Ok, j'ai pas le truc. Ça, c'est le raccourci. Sinon, tu vas te faire baiser avec le temps électrique. Bah, c'est ce que j'ai fait, moi, le raccourci. C'est ce que je viens de faire. T'es pas t'inquiète. Ouais, là il faut descendre la douche. Je vais pas... Attends, je vais checker avant. Ça te fait descendre automatiquement en tant que toi. Ouais, yes. T'as besoin de moi en plus. Non, pas besoin. Hein. Vas-y, à ton tour. Ah, je suis perdu. Allez, cours, cours, Forest. Quand même pratique hein, quand tu prends le raccourci. Hein. Si tu passes pas par raccourci, je crois que tu te fais baiser. Ouais, bah c'est ça le truc. Ah, et c'est pas le seul truc qu'on doit faire. C'est plus vraiment un truc qu'il y en a un autre. Ah, il y en a un là aussi, ok. Et il y a un truc, là, c'est quoi ça? Non, c'est ça. T'as pris le pognon. Ouais. Non. Bah à mon avis là c'est... Tu ouais, prends l'électrique. Et puis tu cours comme un taré. Je vois que ça. Ouais justement c'est ça. Voilà. C'est bon, la grue est alimentée. Et la grue va se... Et on sauve les otages. Il y a pas mal de l'affaire. On m'arrange. Hey, thanks. The office. Where is it? I need the man in charge. There's no way to get there from here. Unless you use the zip line from the top of that tower. That'd be crazy. Please, you gotta help my buddies. Once you get on the other side, just follow the pipes. It's a kind of maze, but just keep going. Il y a un truc à moi. Ouah, un plan d'armes. Organe mécanique. Ouais, ça je peux pas. Ah, j'ai 7500, putain. Ah, moi je peux pas l'acheter. Je suis trop dégoûté. Ah ouais, il manque 2000. Ah bon, mais il m'en manque, hein. Quel dommage. Putain, je me suis dit, ça va être 5000 le prochain tour. Et nique ta mère, c'est 7000. Ouais, c'est horrible. Une force de trop bien. Là, le jeu, tu vois, il t'oblige à garder des sous et pas les dépenser bêtement comme on fait. Faudrait quasiment jouer, tu sais. Oh là. Il coule de partout le pétrole. Oh, un truc de santé. Whisky, t'as froid? Non, non, ça va. J'ai bien chaud. Tu me diras là tu comportes hein, c'est bien chaud. Ah merde. Oh, bon. Oh ah, tout quoi, moche. Oh non pas lui. Ça fait longtemps qu'on a pas vu. Bon, c'est bon, on est saoulé. Ah oh, putain, il est pas tout seul. Il est pas tout seul, ouais. Ah non, mais c'est pas le seul gros, je veux dire. Ah non, le gros, il y en a un autre, je viens de le voir aussi, t'inquiète. Ah, ça se fait un peu plus. Ah, dommage.
Oh, genre ça me touche. Mais venir là, venir, venir. Ok, esquive. Oh putain! Oh, je viens d'enclencher un truc, mon copain! Oh la vitesse! J'étais flashback queen. Regarde le tien. Moi je m'occupe du mien. Wouh! Dans ton cul, petit PD. Non, mais je te demande de tes copains, moi. Bon. Ah, j'ai son instant. Ah, bataille, mon. Ah. Va, c'est tout le but. Et en plus, c'est la nôtre. Oh god. J'ai des gens là. Ah bah. Ah, il m'a sauté dessus. Ah putain, l'autre il a fait une attaque au sol. Putain, j'allais en manger le mien. Ah moi aussi, mais bon, malheureusement c'est, j'ai utilisé ma vie comme un con. Ah. Ils sont où? Ils arrivent. Amène le poids du baril. Oh genre, hein. Ouais, c'est que faire du temps pour les temps. Putain, j'ai enclenché mon ulti. J'ai enclenché mon truc instinct trop vite. Ouais, moi je suis à fond là. Ça peut faire. Oh, mais putain! Il m'emmerde le tien là. Il vient de dire bonjour. Merci ma poule. Ah bâtard. Ah, il est aussi qui me casse les couilles. Oh mais putain, alors le truc il vient de je sais pas d'où. Ah bon, y'a rien, le gros truc il me poupe sur la gueule et il me nique. Fais gaffe parce que là c'est mort. Là c'est la mort pour toi. Et moi pour en chandu que je les deux. C'est leur attaque de merde là quand ils tapent du pied. T'as des trucs qui sortent du sol, c'est horrible. Ah bâtard. Putain, puis j'ai pas de vie, je peux rien foutre. Tu vas charger. J'étais obligé d'utiliser l'attaque comme ça. T'as sûr son attaque? Ah bah attends, moi je vais tuer celui-là là. Ah bâtard. Ah mais dégage toi comme celui d'Hannibal là. Arrête de venir près de moi.
Ah bâtard. Mais si, il vient tout toujours me casser les couilles. Parce que c'était le mien celui-là. Bah non, moi, tout le cas c'était le gros là. Bon. Ah putain, puis maintenant il y a les autres pavots. Oh mais c'est impossible. Attends, t'es en hyper attaque, l'autre il te met un coup, tu te fais péter le tu. Putain, il est vraiment mal foutu ce jeu. Trop mal. Puis si elles sont avec leur hache de merde là. Puis quand y'en a plus. Y'en a encore ? Y'en a encore. Voilà, toi t'es mort gros enculé. Putain de merde. C'était hard hein. Parce que c'est vrai que quand tu regardes, ça, t'en as au-dessus, t'en as d'un coup, t'as rien et d'un coup tu te retombes, tu te fais violer. Ouais. Oui. Putain de game. Et puis quand t'en as passé, tu sais, t'as passé des casse-couilles, t'as soit avec leur hache. Boulot. T'as galéré à buter toi d'ailleurs en premier. Bah ouais, à un moment, c'est la première game là, avant que je crève pas le tien. Je l'avais presque buté le mien. Ouais, moi aussi. Les problèmes, c'est. Boulot. Je me fous au cul. Oh god. Bon, ça se passe comment? Civil ici. Oh genre. Non, j'ai pas fait ça. Regarde. Bon du coup on va se balader ça. Non, faut se barrer. Ouais mais se balader putain. Je peux pas me faire. Putain, je peux le dire. T'es moche. Oh, pas beau. Là, je peux te mentir aussi, mais il y a des choses à récupérer ici. Ouais, je sais, mais il y a des trucs aussi qui tombent sur la gueule, mon copain. Bah, t'es posé où, toi? Moi, je balade. De toute façon, on peut pour explorer. De toute façon, ce que tu récupères, moi, je le récupère aussi. Genre comme si c'était fait exprès. Oh, une troisième caisse. Rafale de carreaux. Oh. Oh non, petit bug. Et machin qui nous tombe de je sais pas d'où là, celui-là il gueule là. Tire de. Et tire de mortier. T'inquiète, après devant c'est une belle zone de fight.
qu'il s'agit. C'est bon. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça a 141 dollars. C'est vrai qu'il y a plein de trucs qu'on a pas, il y a plein de niveaux qu'on a un peu oublié de fouiller. Wow. Ah mais si, il y a tout pour voler en fait. Bah tu sais que Whisky a mis à voler les kills. Il y a rien ce là. Là ça me paraît suspect justement. Oh putain la cinématique ça. C'est la guerre. 14-18 dans les tranchées. Ouh, ça sent le boss. Oui. C'est une zone top. Oh, c'est... c'est quoi ce bordel tout moche? Oh, c'est un truc tentacule. C'est Tentacle Man. Oh, tout moche, tout dégueu. Oh, God. Il y a ses crânes. Hey, crâne rouge. Changement de décor. J'évoque que dalle. Moi non plus. Fais gaffe, il y a des crânes. Et les crânes rouges. Ouais. Ah. Eh, salope. Encore. Ouais, t'as voulu chier alors. Moi? Ouais. Ouais, je suis allé taper un truc et puis j'ai pris son attaque de crâne rouge. Bon, crâne rouge. Comment tu crèves? Ah, faut tout simplement ça. Et le feu, ça marche bien là-dessus? J'en sais rien. Ouais, ça marche un peu. Ah, c'est crâne. C'est crâne. Ah, j'ai vu que c'était un gros. Avec un bouclier, moi. Je suis allé là-dedans comme un gros bourrin. Ah putain, changement de décor, ça c'est chiant. Parce que tu vois que dalle. Hop, le skill. Bon, putain, c'est toi. Tu vas niquer ta mère un jour. Ah, mais tu m'emmerdes, toi, gros PD. Ah putain, changement de décor. Ah, et en plus, c'est le pire. Oh putain. Au pire, on va s'occuper d'elle. On va ramasser ton truc là. Ah bon. Nique ta mère, va sur Whisky, t'en fais pas chier. Putain, j'ai pris un coup, mon co. Putain, j'ai pris un coup, mon fort, je suis presque. Oh, je suis presque 1000 life. Ah, je suis à terre, eh ouais. Pourquoi tu peux pas rester sur Whisky, ton connard? M'énerver de ta mère.
Brûle, brûle, brûle. Allez, Spider-Man, là, arrête de gigoter. Wouhou! Oh la vache, la pute! J'ai pris le rayon de ton truc et puis le rayon de moi, de ma bestiole. Trop fort. Bon. Alors, enfin. Je te botte le cul, je m'en bats les couilles, même si je dois perdre de la vie, mais au moins, je t'ai bien entamé. Waouh! Tu te fais craindre rouge? Ah ouais, je veux le faire. Moi je m'occupe de Hulk. Oh adieu, crâne rouge. Hulk, viens là, petite de pute. Voilà. Il est pour moi, exécution. Ah bah ça me plaît bien. Ouh. On en a chié, mais c'est pas grave. This ain't a rescue mission, so watch your mouth. I'm here to pick up some documents for Assistant Secretary Harrow. Documents? I don't know anything about any documents. C'est quoi ce que t'as dans l'estimat, connard? Oh, these documents? Je sais pas, vas-y, donne. Jonathan Q. Biddle at your service. Donne, petit frère. Mr. Harrow promised me immediate backup, as long as it's safe. Harrow's written you off, Biddle. Sent me for the case, not you. All I know is that DC wants that portfolio seized. DC? What an asshole. Harrow isn't trying to leverage this property for the government, you ate. Surtout qu'il ressemble à un vampire, le bordel. He wrote me into this scheme for a cut of the profits, and now he's hung me out to dry. That asshole. Les oreilles d'un vampire, il a le nez d'un vampire, il a tout ce qu'il faut vampire, lui. Hope it was worth all those soldiers' lives. Ou AZ dans Harry Potter, là, l'espèce de... L'espèce d'aura bizarre là, qui se fait Harry Potter là. Oh, ouais. Dolphy là. Tu rentres comment à pied? Tiens. Bon allez, je pense qu'il y a une petite cinématique. Oh bah oui, comme d'hab. Et après on va cesser là parce qu'il y a déjà 50 minutes de vidéo en fait. T'as les émissions sont longues en ce moment. Ouais. Bon, je sens qu'à mon avis, on arrive près de la fin. Du jeu. Prochaine mission, peut-être. Hein. Si. Turning the tides, my ass. More like lining your own pockets, you slimy shit. Vieux sac à merde. Biddle. Oopsie daisy. You sent 24 National Guardsmen to their deaths for a paycheck. When the president gets wind of this, you're a dead man. Oh, I'm sorry. It's just that the way the veins in your forehead are throbbing, it's so comical. Mr. Assistant Secretary, these accusations sound serious. And first of all, it's Mr. Secretary now. As in Secretary of War, as in the fucking right hand of God. Secondly, do you think the President of these United States is gonna give a royal fuck about the pissant accusations of a podunk? Go ahead, Reggie, and do it. Give me a reason to throw your cowpoke ass into Newgate and flens your father's legacy to the bone. The Harrow Institute has a much better ring to it, don't you think? Mr. Secretary, maybe it would be for the best if you... Maybe it would be best if you stopped interrupting me, you groveling mule! You want to make yourself useful? Get to the kitchen and fetch me...